Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Trop oui, ça fait trop qu'on reprend, on la reprend. Voilà, on est allé à Leclerc faire les courses. Ça va, on a changé les pneus de la voiture. Les quatre, on est content, on a eu pour 240 euros. Voilà, pour les quatre. Donc on est très enfin content. Non, 239 en fait. Ouais, 239 et des brouettes. 99, voilà. C'est pas 240. Voilà. Et ensuite, on allait donc faire nos grosses courses. Voilà, à Leclerc, comme d'habitude. Donc, on va commencer à vous montrer la course. Et restez à la fin de la vidéo. Ça énerve le cas, ton bruit là. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une annonce à vous faire. Ouais. Maxi Rouleau, on a du sopalin. J'entends des bruits bizarres. C'est ton fils qui est sympa. Là, nous avons pris pain de mie extra moelleux. Il y en a deux. Chérie, c'est aussi ça, des petites pointes de lait comme ça pour mettre dans son café. Alors, parce qu'en fait, je vous explique, ma grand-mère, paix à son âme, prenait ça dans son café. C'était trop bon. Et à chaque fois, je le prenais et c'était... Voilà. J'en avais plus trouvé, ou alors j'avais pas fait attention en tout cas. Ouais, j'en avais jamais vu. Mais voilà, en fait, c'est des pointes de lait. Il y a Régéos qui fait ça s'appelle nuage de lait. Mais voilà, c'est du lait concentré, non sucré. Là, on a de la levure chimique. On avait plus de levure chimique, alors qu'on a de quoi faire des gâteaux. Donc ça tombe bien. Du coup, on peut faire les gâteaux. Vas-y. De la lessive. J'ai repris de la dash. Parce que là, c'est bien, parce que je trouve qu'il y a la adoucissant avec. Et c'est pas plus mal. Là, pourquoi ça adoucissant avec inclus? Mais oui, il est inclus dans ma dash. Mais au final. Mais c'est trop cool! Et j'ai pris, comme chef, je sais pas s'il l'aurait. Ou quoi, je vais faire les compotes cet après-midi vu qu'on est sorti ce matin. En dépannage, j'ai pris des petites compotes comme ça pour Lucas. De 0 à 6 mois. Non, de 4 à 6 mois. 4 à 6 mois. Pardon, excusez-moi. C'est comme ça, ça arrive. Là, nous avons pris le PQ. Ils ont mis le PQ normal. Parce que sinon, c'était à 5 euros. Non, en fait, le PQ à 5 euros pour vu là où il finit. Ouais. Qu'est-ce que tu as pris? C'est pas pris, c'est pas moi. Mais c'est pas possible, non. Non, c'est pas possible. Là, alors, on a un paquet de picros comme ça. Et il y en a 4. Il y en a pour les filles et il y a pour moi. Ça, c'est Océane qui s'est pris ça pour. Mais c'est un tiramisu complet. Ben oui, c'est moi qui le fais normalement. Elle s'est pris ça. Bon, je te prends un petit part, mais trop près. Elle s'est pris ça pour un dessert. Je suis sûr qu'elle aime pas le mien en fait. Si. Là, nous avons pris des petits lardons. Des petites ailettes. Dedans, il y a. Combien 200 grammes. 200 grammes. Non, deux fois. Oui, deux fois 100 grammes. Et c'est des allumettes, c'est pas des lardons. Oui, pardon. Là, nous avons pris du madrange pâté de campagne. De campagne. Il est bon. Non, c'est la terrine, c'est pas le pâté. C'est pareil. Oh, malheur. Là, nous avons pris de la crème. La crème de la crème. Parce que nous avons une piémontaise. Du coup, la crème plus la mayonnaise. Ouais, il a pris de gros pots de mayonnaise. Oui, bah parce que je vais m'en servir. Ces pots-là, ils font 830 grammes quand même. C'est le gros flacon. Nous avons vu. Oh, il a goûté le chinois. Une augmentation de fou. Ah ouais, il a plus de 3 euros maintenant. Il était à 0,99. Hein. Non, il était à 2 et des brouettes, il est passé à 0,99. 0,99. J'ai jamais vu à 0,99. Juste le sachet. De l'anti-calcaire pour la machine à laver. Mais lui, il va nous porter chance, le chou chinois. C'est de la marque Océane. Ah oui, encore. Décidément. Oui. Regarde. C'est ton prénom. Bon, allez, filez. Ça, c'est les pommes pour faire les compotes. Oh, c'est que moi. Elle, c'est ça et l'autre. Toi, sur la guitare. Des îles flottantes à la vanille. On en a 4 dedans. Elle tombera pas. Comme le mur. De toute façon, même si elle tombe, elle s'explose, c'est pas grave. Des bananes, je crois que j'en ai pris 3. C'est des bananes éco-plus, c'est 79 centimes, c'est pour que je les vois. Alors, elles sont pas trop grosses. Pour les enfants, je trouve que c'est pas mal. J'ai pris du jus de citrus vert. Ouais, c'est rare que tu en prennes du comme ça. Ouais, j'ai pas envie de couper le citron. Donc voilà, petit jus de citron. Il y a 200 millilitres.
Là, nous avons pris des tomates à 2,55 pour 1,164 kg. Attends, et le prix d'achat, le prix du kilo, il a combien? Le kilo prioritaire, ouais, il a 2,19. Youpi! Un sac de fées, il y en a encore 3. Ouais, on a fait des belles courses, mais on s'est pas cassé la tête avec Eco Plus, machin, etc. On a pris aussi des marques. Ça change. Ça va? Oui, ça va. C'est pas en faisant ça que... Tu m'as toi. J'ai fait mal. Le lait de petit coup. Voilà, ça j'aime en avoir d'avance. Aussi court. Aussi court. Alors ça, chérie, il a repris pour une salade qu'on va faire, des petits panais de mozza. Dedans, il y en a... Ah, tu en as pris deux? Dedans, il y en a 4. Et on les fait à la poêle. Et ça convient aux végétariens. Ouais. Voilà. Tu vas comprendre, parce que la mozza, en général, c'est de la vache, quoi. Ouais, vraiment. On a repris l'agenda Océane. Si vous avez vu la vidéo d'hier, il a pris le produit. Donc là, ça y est, la saison. Tu le mets dans le sac cabal, là, où il y a les fournitures? Merci, mon cœur. Nous avons pris du cheddar pour les croque-monsieur. Ah oui, les croque-monsieur. Mais on n'a pas pris le pain pour les croque-monsieur. On a eu. Bon, enfin, je l'ai mis normal. Du beurre. Ça va. Tu te remets. J'ai remonté. Ah, il remonte assis. Le deuxième chou. Dedans, il y a combien de tranches dedans? Je sais pas, il y a combien de tranches. Oh. Je les connais. Bon, il y a 130 grammes. Ouf. Ça, c'est chérie, c'est pris des Maminova vanille bourbon et caramel beurre salé. Ouais. Maintenant, il regarde plus les fois quoi. Si. Ouais, ça y est, c'est terminé. Je me suis fait désensibiliser. Et l'iceberg. Ouais, d'accord. On va faire couler le Titanic. Ça, c'est pour aujourd'hui. Là, les yaourts pâtissiers. Elle les a découverts il y a peu et elle a adoré. Ah, il y a Yoko qui casse la figure. Océane, tu as une Yoko qui est tombée. S'il te plaît, ma chérie. Là, j'ai pris des poivrons. Alors, à l'unité, ils étaient à 4,45 le kilo. J'en ai pris 312 grammes et du coup, ça fait 1,39 euros. Des kiwis, ça, parce que Océane a une grande adoration des kiwis. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est pas de moi, en tout cas. Moi non plus. Ouais, ça vient pas de nous. Par contre, je sais que le facteur adorait ça. C'est quoi, c'est de la crème? J'ai un peu de la crème de président de camembert. Crème de camembert, pardon. Elle est comme ceci. À l'endroit, c'est pas mal, oui. En quantité, 150 grammes, c'est très peu. Mais ceci dit, c'est trop bon à la cuillère. C'est trop bon. C'est une tuerie en boîte. Des petits cornichons cunes, ils sont bons les cunes. Dans les salades, ils passent vraiment bien. Même si nous avons 3 kilos d'aubergines à ne plus savoir quoi en faire, j'ai pris un caviar d'aubergine. Parce que sérieux je... Avec toutes les aubergines qu'il y a au frigo, on a 3 tonnes d'aubergines. Une sauce cuisinée. Bon bref, mais celui-là il est bon. Heinz. Comment il y a dedans? C'est de Jean-Martin en Provence. Ouais. Il y a 500 ml, soit 520 grammes. Elle est trop bonne, cette sauce. Et les pétunettes se sont pris. Papa, c'est la mayo. Et les pétunettes, elle, c'est le ketchup. Nous avons repris aussi du jambon de Bon Paris. Herta. Voilà, le Bon Paris. Il est bon pendant 2 jours. Oui, mais on peut mettre au congélateur. On peut faire. Bon, de toute façon. De toute façon, il croque monsieur. De toute façon, même si on dépasse 2 jours. Il croque monsieur. Yo, je sais pas pour ça, moi. Encore 2 sacs. Allez, c'est parti. Bon, on va voir cette place en fait. Ouais, tranquille, poulette, te fais pas de mauvais sang. Oh. Les cotons pour les cas, les petits cotons carrés, dedans il y en a 60. Moi j'aime beaucoup ces petits cotons là. Parce qu'on peut bien faire ces petites pièces, les immenses. Oui, je sais que t'aimes toi aussi, mon gel. Alors, j'ai pris n'importe nawak. Ah ouais, et il a pris un peu au pif, je crois. Alors, il a pris du râpé, raclette et tom. Ça, c'est pour les crêpes bretonnes. Voilà. Merci à notre ami. Les autres, tu te reconnaîtras. Thierry s'est pris des petits paquets de surémi. Il y en a 24 dedans. Et voilà. Il y a aussi un qui est bien aussi. Oui, il n'y a que toi.
C'est moi. Là, on a des chorizo espagnols. J'aime bien parce qu'elle me regarde en me disant, s'il te plaît, papa, tu pourras m'en laisser un peu? Non. Et un poisson, tu nous as pris ça, des filets de limande. Des limandes? J'aime pas la limande. T'aimes pas, sérieux? Là, c'est comme toi. T'as été plate comme une limande. Du coup, je peux pas te manger. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je peux te manger. T'as montré les petits oignons? Non. Là, pour des petits oignons. J'en ai un au pied. Ouais, c'est pas pareil. Hein? Vas-y. J'ai même des champignons. Non, je plaisante. Du beurre écopus, enfin du beurre, de la matière grasse à tartiner. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Vous pouvez me dire ce que je vais faire de lui? Me mettre des baffes. Des coffres. Ça, c'est Océane qui tient à vous. Et oui, parce que pour ceux qui nous regardent et qui me connaissent, demain, c'est mon anniversaire. Ouais. Tu veux de demain? Je les mentales, je peux en gros, ouais, franchement, si c'est le moteur de tout, c'est. Oh, c'est trop bon ça! Là, il s'est fait plaisir. Je vais me humer. Non! Les crevettes. Depuis que j'ai eu l'idée de racheter des crevettes, il y a 2-3 mois, et à la base, le pire, c'est qu'il me disait non, j'aime pas trop les crevettes. En fait, c'est parce qu'il sait que quand tu commences à manger des crevettes, c'est compliqué pour lui d'arrêter. C'est comme une drogue. Voilà. D'ailleurs, je les mange en 30 secondes. Ouais. La couronne. Là, nous avons des piquets croques de la vache qui rette. Oui, c'est un autre de ce que j'ai. Ça, c'est pour quoi ça? Ça, c'est pour ce soir à Péron. Ah, ça, c'est quoi Péron? J'avais pas envie de la faire parce qu'on est rentré tard. Pourquoi de la pizza? Parce que je vais faire des mini pizzas. Ah, il veut une pizza. D'accord. Voilà. D'accord. Comprendez? Comprendez. En plus, on a la paella pizza. Ouais. Parfait. J'ai voulu faire plaisir à madame. Voilà. Des fraises. Ouais. Elles sont bonnes. Et qu'est-ce qui manque avec les fraises? Il est gentil. Il est gentil. Oui. Elle est là, la chantilly. Enfin, c'est pas de la chantilly, c'est de la crème fouettée. Hein. Donc, techniquement, ce n'est pas de la chantilly. Nous avons repris du... De la farine à pain. Nous avons repris de la farine à pain. Ouais. On a un kilo de farine à pain puisqu'on fait le pain. Ouais, parce que nous sommes dans un village où avant se faisait le pain. Oh mais son pain il est trop bon parce que ce qu'on fait, il fait son pain en demi-cercle. Et il le coupe en petites tranches, moi j'ai la congélation, et le pain il reste souple et le matin pour les tartines, c'est super bon. Alors pour info, je le fais en demi-cercle parce que la place est trop petite. Voilà. Sinon ça aurait fait une baguette. Mais franchement c'est trop bon. Et après ce qu'on fait en fait, pour plus qu'il ait la croûte en fait qui pétille, qui croustille, ça qu'on regarde un bon pain, on le prend et on le met quand il est chaud dans du sac congélation. Et du coup, en fait, ça fait que le pain, il reste souple, mais pendant des semaines. Non, nous, il dure deux. Oui, parce qu'on le mange, oui, sinon il resterait plus d'une semaine. Des filets de jambon, vous avez 200 grammes dedans. Des filets de jambon. Des là, on a des aiguillettes de poulet, rôties. Pour ce soir, nous avons l'apéro de jambon. À prendre du steak, on aurait dû aller chez l'italien. Oui, mais est-ce qu'on y va, chez l'italien? Okay. On pourrait y aller aujourd'hui. Bah non, tu les... On pourrait y aller aujourd'hui. Non, on se calme. On pourrait y aller aujourd'hui. Oh, la claquette qui s'est passée 100 euros aujourd'hui, on se calme. En ce moment, ça vous fait. Louche, titi. Oh oui, mon petit chou. Oh, ah. Et là, on a des petits lardons de volaille. Je ne sais pas pourquoi il y a des lardons de volaille, mais il y a des lardons de volaille. C'est pourquoi les lardons? Les lardons de volaille, c'est pour la salade. Qu'est-ce que ça va? Tu veux dire? Mais non. Pas ce que j'ai une douleur. T'as mal à tête? Non, j'ai une violente douleur. Des mousses au chocolat. Là, nous avons du pain de mozza pour la salade tomate mozza. C'est trop
trop bon comme ça. Ta spéciale cuisine. Bah en fait, du coup, je vais couper tout en petits morceaux, en petits dés, etc. Du coup, je vais les faire dans les sandwichs et on va aller faire un pique-nique. Donc voilà, deux bouteilles de jus d'orange, 100%. 100% pur jus. Bon, avec là, il y a tout, il n'y a pas trop de sang. Des petits chinois. Ça, c'est pour papa. Bah oui, c'est pour moi. Là, j'ai repris du blanc de poulet en tranchée. C'est pas de la filet avec là, c'est filet et cuit. Filet et cuit. Oh, dis-moi, tu en as repris combien de ça, toi? Il y a pour les filles, pour moi. Mais il y en a 14. Il y en a 4. Déconne pas. Ben oui, t'en as. Des bananes. Des bananes. Encore des bananes. Encore des bananes. Nous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Veuillez consommer avec modération. Ou pas consommer du tout, c'est mieux. Voilà. Une Despé et une Petra. Petra, franchement. Ah, Despé, c'est une nouvelle Despé qu'ils ont fait. C'est Tropical Passion et Citron Vert avec du rhum. La Petra, ça m'étonne. Je m'en rattrape de la rosette, faire du saucisson sec, qualité supérieure. Non, c'est surtout qu'ayant vécu en Corse, je l'ai un peu trop vu celle-là. Bah oui. Et du fouet. Mais oui, parce que bien. Pour ceux qui nous découvrent, on a vécu pendant 4 ans en Corse. Donc. Encore de la bouteille d'orange. Voilà. Du poulet, blanc de poulet en filet. Et encore des bonnes. Voilà. Et on est une famille de 5. Bah, ils nous connaissent maintenant. On a des nouveaux abonnés, ils ne nous connaissent pas tous. On a des nouveaux abonnés. D'ailleurs, c'est pour ça. Deux choses. Merci d'être resté jusqu'à la fin, car j'aimerais faire un petit live questions-réponses pour nos nouveaux abonnés qui nous ont jamais encore posé de questions. Donc, dans les commentaires, vous êtes pris, messieurs dames, nos maîtres. Vous êtes pris. Si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez participer, mettez dans les commentaires, dans cette vidéo-là, toutes les questions que vous voulez nous poser. Ici, là. Et on y répondra. Voilà, mettez plus, commentez, et ensuite, voilà. Pour ceux qui sont nouveaux abonnés, n'hésitez pas à mettre la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous à Goulou. Bon, ensuite, nous avons une petite annonce à vous faire. Laquelle? Oui, tu sais pas. Toi. Et non, je sais pas. Hier, sur mon petit téléphone, je reçois un petit message de ma chérie que je n'avais pas lu. Car notre petit Lucas Davour a dit maman. Voilà. Et du coup, je suis trop content. C'est trop mignon. Je suis trop content. Ouais, il m'a joué normal, il dit maman quand il est énervé là, c'est ça qui est bizarre. C'est bizarre. Ouais, il me dit papa. Mais papa, c'est pas papa. Hein. Quand il arrive, il fait Mais si tu remarques, avec tous les âges, ça ne change pas. Océane et Julia, quand elles ont un problème, maman. Quand elles sont énervées, maman. Quand elles ont besoin d'un câlin, maman. Et surtout, ce que j'adore, c'est quand je suis aux toilettes. J'ai Océane qui ouvre la porte. Ouais, maman, tu sais quoi? Mais dégage! Quand elles ont besoin de faire des bêtises, c'est papa, j'ai fait une bêtise. Ah oui, ça c'est Océane qui arrive vers son père. Papa, il faut faire quelque chose, mais tu promets de pas me gronder. Ça veut tout dire. Voilà. Donc, les amis, cette petite séance vidéo est terminée. Vous nous revoyez tous les jours. Voilà. On vous dit à demain. Demain, ce sera sous forme de vlog, puisqu'on va fêter l'anniversaire de chérie. Donc on vous fait de gros bisous. S'il vous plaît, ne me mettez pas bon anniversaire demain. J'aime pas avoir 35 ans, je vieillis. Et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo.